Me revoici pour vous présenter les nouveautés de chez Piatech qui sont rentrées dans la boutique. Alors, je vous ai fait des petits assortiments avec des embellissements de la marque Prima Marketing aussi qui pourront aller avec. Donc, je vais commencer par faire ce petit tour de table avec ces différentes choses. Donc, il y a des cahiers. Donc, ils sont emballés. En fait, vous pouvez vous en servir pour dessiner, pour écrire ou également pour ranger dans vos planeurs pour faire un petit carnet en plus. Il y a aussi donc celui-ci avec donc les petites valises et l'appareil photo. Mais ça, c'est la collection Sunshine. Pour celui-ci, il a été fait, si je ne me trompe, en collaboration avec Carola, des papiers mintés qu'il y a aussi dans la boutique. Donc vous reconnaîtrez un petit peu son style avec la montgolfière et les animaux. Il y a des tags, des étiquettes sur le thème du mariage ou de la fête. Donc il y a dessus des appareils photo, des signes, montgolfière, voiture. Oui, ça c'est sur le mariage. Ensuite, je vous ai donc pris la collection Sunshine. Donc ce sont des nouveautés de chez eux. Dans les des couleurs vitaminées. Donc c'est du papier recto verso. Ce bloc est en 15 par 20. Donc des fleurs, des citrons, des lunettes de soleil, des valises, très tendance en ce moment. Voilà donc comment se présente le bloc. Ensuite, donc là il y a 24 pages, plus de bonus à l'intérieur des couvertures. Donc 24 pages recto verso. Donc le papier il doit faire 240 grammes, hein, il est assez épais. Donc dans la même collection, donc du coup je vous montrais le petit cahier assorti. Vous avez une série de 9 tampons transparents, tampons clear, donc une étiquette, des textes, lunettes de soleil, enfin voilà, assorti. Et également des die cuts en forme de guirlande. Alors moi je voulais vous les montrer parce que on ne les voit pas bien dans le paquet. C'est pas très parlant. Donc là, en les voyant en vrai, je pense que donc il y en a. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs de chaque. Non, ils sont tous différents. Donc ça reprend ben, les motifs des papiers. Donc le maillot de bain, l'appareil photo, les glaces, donc la salade de fruits, cocktail, les valises. Voilà, je vous laisse découvrir ça. Voilà, c'est très coloré, vitaminé. Oui, vitaminé. Voilà, donc j'ai vu qu'on pouvait s'en servir pour faire des cartes en en mettant qu'un comme ça au milieu d'une carte et après en décorant avec des fleurs ou d'autres embellissements. Donc ça, ce sont les guirlandes, donc les découpes fanions en guirlandes. Donc il y a aussi la même chose pour l'autre collection ici, mais je voulais vous montrer tout à l'heure, je vous ai présenté les cardstock couleur pastel. Donc vous voyez, hop là, que ça s'assortit parfaitement avec, et également les autres collections. Vous voyez, au niveau des roses, du vert, du jaune, ça va avec. Donc vous pouvez aussi agrémenter avec ces belles fleurs qui sont dans la boutique. Alors cette collection, alors Hello Beautiful, donc il y a du noir, du kaki et de belles fleurs. Donc là, ce sont des blocs en 15-15 recto verso. Voilà, un pied de poule, des oiseaux. Voilà, je vous montre ça assez rapidement. À l'arrière, du kaki, des petits pois noirs et blancs, le pied de poule et encore des petits pois et du pied de poule. Donc assorti, vous avez une planche de stickers avec des banderoles, des étiquettes. Voilà, c'est vendu à la planche. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 banderoles.
Donc ceci, les die cuts, donc assortis au papier. On va les regarder aussi vite fait. J'aime beaucoup cette collection. Franchement, ça sur des cartes ou même... oui. Oh, l'arrière. Oh, mais j'avais pas fait attention. L'arrière aussi est décoré. Oh, alors, regardez les petits oiseaux. Si vous voulez suspendre ça à une fenêtre, eh bien, à l'arrière... oh, c'est trop mignon. À l'arrière, il y a une famille de petits oiseaux avec une fleur dans les plumes. Des nids. Oh, c'est très mignon. Ah, c'est vraiment, c'est aussi beau d'un côté que de l'autre. C'est recto verso. Waouh, c'est très très mignon. Donc on retrouve encore les motifs à l'arrière. À l'arrière, oui, il y a les mêmes. C'est vraiment super joli. Je décorerais bien ma scrapbook avec ceci. Affaire à suivre. Bon, je rangerai ça tout à l'heure. Je vous montre la suite. Donc, ce que vous pouvez coordonner avec aussi, ce sont des fleurs de chez Prima Marketing. Alors, je vous les montre parce que, en fait, on ne les voit pas bien en photo, comme je vous disais tout à l'heure. Donc, il y a des fleurs qui sont pailletées et des non pailletées. Avec les cœurs strass. Donc celles-ci, je les ai utilisées dans l'album Felicity. Après, vous avez des toutes petites. Alors, il y en a 120. Après, vous avez celles-ci qui sont pailletées. Avec du gris aussi. Des couleurs très douces. Et vous avez également ces papillons. Avec les fleurs, des perles, strass. Alors c'est vrai qu'elles ont un coût, c'est pas donné, mais c'est quand même très très beau. À l'arrière, vous avez un petit calque qui peut vous servir à décorer. Je ne sais pas si je vais... voilà, je vais utiliser un. Vous voyez, vous avez un calque qui est imprimé. Donc ça, pourquoi ne pas l'utiliser aussi dans un album ou sur une carte, hein. Donc dans chaque fond, là, vous avez un calque. Alors, voilà pour ça. Ensuite, donc, puisqu'on était chez Piatek, donc il nous reste plusieurs blocs à découvrir. Donc celui-ci, encore une nouveauté aussi en 15-15, donc sur les anniversaires. Donc là, c'est plutôt pour les enfants, avec des étiquettes et puis des embellissements à découper. Vous avez donc des petits chats, des ours. C'est un peu le thème du cirque, hein, le ballon, l'équilibriste, la souris équilibriste. Des ballons. Hop là, waouh, c'est arc-en-ciel là, c'est très coloré. Petite guirlande de personnages. Les embellissements à découper à l'arrière. Des pois et là aussi des embellissements, c'est pas prédécoupé, mais vous avez un petit pointillé pour vous dire où découper. Voilà, donc ça c'est pour faire des cartes ou des petits albums pour les anniversaires. Je dirais que ça s'adresse plutôt aux enfants. Ensuite vous avez celui-ci, la nouvelle lune. Alors là, on est dans un autre thème, un peu astral. Ça ressemble un peu aussi au Petit Prince, là, de la marque Bichabi, que j'ai aussi dans la boutique. Et je trouve que c'est très joli, ces insectes. Je suis pas très scarabée, mais j'avoue que c'est très doux, c'est très joli. Voilà, du bleu, du gris, regardez. Celui-ci, c'est très joli. Voilà, c'est spécial. C'est spécial, mais c'est très joli. Vraiment, c'est très beau. Ensuite, Let's Flamingue. Alors là, c'est sur hop là, les flamants roses, les perroquets. Là, on est dans le coloré, coloré exotique. Les fleurs.
du rose, du vert, du feuillage. Apparemment, il y a 4 pages de chaque. Donc en 15-15, c'est très coloré. 24 pages aussi, plus 2 bonus. Pareil, 240 grammes, c'est assez épais. Ensuite, il y a celui-ci. Alors, Truly House. Il y a des appareils photo. Ah, alors c'est assorti, hop là, au die cut sur le mariage. Voilà, donc là on est dans le pastel. Vraiment, c'est très pastel. À l'arrière, du feuillage. Là, la pièce montée. Je regarde si j'ai rien raté. Des fonds légers, la pièce montée. Les appareils photo, des couronnes de fleurs. Voilà, des fonds très légers. Ça peut s'assortir avec plein de choses. Des fleurs. Ouais, c'est très sympa aussi. Pareil, 24 pages en 15 par 20. Plus les bonus. Et mon petit coup de cœur, c'est aussi une nouveauté de chez eux, dans la nouvelle collection. Eh bien, c'est pour Halloween. C'est vrai que ça ne dure pas longtemps, Halloween. Mais nous, on fête, on s'amuse, on fait une soirée, on mange des choses bizarres. Enfin, voilà, quand on invite des amis, on fait une soirée Halloween. Et du coup, la déco, c'est important. Les invitations aussi. Alors, les petites cartes, regardez, ces chats, ils sont trop craquants. Celui-ci, il a des lunettes. Il est vraiment trop mignon. Lui, il a un chapeau. Bon, on est dans les teintes classiques hein, d'Halloween, mais avec des motifs très jolis. Regardez cette petite femme là, avec sa jupe dans le vent. Le chat, c'est une petite sorcière. C'est très mignon. Des fonds aussi dans les teintes des papiers indiens que j'ai reçus de chez Craft Consortium aussi. Hein. On est dans les mêmes teintes. Mais là, sur un thème Halloween. Donc en 15 par 20. Voilà, pareil, 24 pages avec 2 pages de bonus à découper. Et bien voilà, celui-ci, c'est mon petit coup de cœur. En fait, il y en a beaucoup que j'aime. C'est celui-ci. J'aime beaucoup aussi Hello Beautiful. Et puis Sunshine, ça j'aime beaucoup aussi. Mais en fait, non. Ce que j'aime, c'est tout ce qui va avec. C'est tout ce qui va avec, voilà, plus que le papier en fait. Je travaillerai plus avec ça et les cardstock unis pour faire quelque chose. Et quelques pages bien sûr de ce bloc, mais plutôt les motifs arrière, les faux motifs. Voilà, ou en découpage pour faire du 3D, là, découper les fleurs. Mais c'est moi mon coup de cœur celui-ci. Et ensuite, eh bien voilà, après suivant les thèmes, c'est vrai que les anniversaires pour les enfants, on n'a pas grand-chose. Celui-ci, il est vraiment spécial, mais j'aime bien aussi. Ça fait romantique quand même. C'est paisible et en même temps un peu cosmique. C'est spécial. Bon, ben là, pareil, hein, flamingo, il y a des jolis motifs, mais pour moi, c'est un petit peu trop coloré, voilà. Oui, c'est moins mon truc. C'est joli, hein, j'avoue que c'est joli, mais c'est moins mon truc. Forcément, hein, moi, je suis plus dans mes Antilles chéries, hein, c'est pas le même style, quoi. Mais c'est autre chose. Et celui-ci pour les mariages, eh bien oui, c'est bien sympa. Bien. Plus pastel, plus dans mes goûts. Voilà. On peut même assortir les papiers avec celui-ci. Si vous voulez faire un album avec beaucoup de pages, c'est une option. Je trouve que ces embellissements se marient très bien. Et puis ces choses aussi, ces dots là en cristal de chez Prima Marketing. Là, c'est pareil, ça va super bien avec. Ils ont une belle épaisseur. Vous faites des fleurs, vous en mettez dans les cœurs. Voilà, je trouve que tout va très bien avec. Ouais, franchement, je crois que je vais faire des cartes avec ça. Voilà, voilà. Bien, c'est tout ce que j'avais à vous raconter pour ce matin avec cette marque Piatek. Voilà, voilà. Eh bien, écoutez, je vous dis à bientôt pour une prochaine fois. Je suis très heureuse de vous rencontrer virtuellement.
et de lire vos petits messages et vos commentaires, vos petits coucous. Voilà, je vous embrasse bien, bien, bien fort tout le monde. Et puis, je vous dis à bientôt.